Aïe, aïe, aïe. Je vais prendre un peu de long, un gros vent qui a soufflé là. Parce que je viens de voir avec nous, je suis venu. Je suis venu là, mais le vent empêche de me parler là. Je suis venu à une nouvelle cap de l'actualité à Chito. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est actuellement en Bruxelles. Dans le cadre de la réunion ministre des Affaires étrangères, pays membres de l'OTAN. Donc, le dossier ukrainien est dans le calendrier. Ensuite, après le secrétaire d'État a fini, il rencontre ça, ben, il peut aller en Israël. Donc, ça fait l'unième voyage que l'a fait en Israël. Depuis le conflit a commencé, nous rappelons que le conflit ça a été dans le cinquième jour, avec possibilité pour qu'il y ait plus de prisonniers, plus de prisonniers avec otages qui fait entre Hamas avec Israël. Et puis, il y a un secrétaire général de l'OTAN tout, et Jens Stoltenberg qui saluait extension otage, extension et trêve entre Israël avec Hamas là, que Qatar, les États-Unis avec l'Égypte joignent. Donc, extension pendant 2 jours, etc. Donc, nous allons regarder. Oui. Pas souffler. C'est pas un vieux vent, non, c'est un vent fret. Donc, mon cas d'une sensation pile Freddy là, qu'on y a là, on va arrêter encore. Aïe, aïe, aïe. Et puis, en Haïti, la police de Boucan t'écoute ça avec Negameo, et qui est censé mettre une sorte de station et péage dans la sortie sud capitale dans la zone Mariani. Donc, c'est une zone stratégique côté que c'est qui en fait connecté département de l'Ouest avec 4 autres départements. Donc la police pour des gouttes là dans le gain plus passé 5 négame qui mouri gain passager tout civil qui t'a blessé dans une machine et puis gain tout soit fait canal là ben la nouvelle n'est pas trop bon non et travail là on gens ralenti gain appel cap penser pour que contribution arrive pour que et quel que soit monde cap bailler l'argent ou bien encore membre civil là diaspora kabala baba parce qu'il semble que l'argent et travail là pour fini alors que t'es pour presque travail là t'a fini gon et des possibilités pour travail là t'a camper si et pas ta jeune l'argent ou bien gouvernement pas ta intervenir par gouvernement pour mettre que l'a intervenu et pour t'aider dans sans ça et c'est vrai t'aider à avoir une délégation l'autre bois sous frontière on a mis d'abord non pour t'aller rencontrer avec le comité sous place là et ingénieur qui sous place yo et puis peut-être bay au moins et point de vue par eux qui change ouais et qui côté ça la bloquer à qui ça doit faire pour résoudre problème. Donc c'est aussi que nous censé à suivre pour vous. Et qui ça gagne encore dans Freddy ça là que m'vienne parler avec nous là je dis à là gagne section national football féminin haïtien hein, et yo trouvé actuellement en Costa Rica et dans quatre match dernier match y a joué pour match de groupe y a joué et ce match qui aussi important Haïti besoin match une si veut qualifier pour première édition Coupe de CONCACAF là Coupe d'or féminin CONCACAF là donc y une défaite pas déranger pas faire bien du tout. Mais c'est là Haïti que lié bon et mesdames très motivées yo pense que yo capable faire la différence avec rencontre ça avec Abjou dans San José Costa Rica et puis qui ça me d'arrêter pour parler avec nous encore et puis dossier et puis dossier États-Unis j'en sais boulan et moun kap organisateur voyage kap fait voyage sorti pas seulement Haïti attendez moun kap organisateur kap fait voyage privé charter privé pour sorti et non c'est de pays pour aller dans et Managua avec objectif pour arriver sur frontière États-Unis partager avec Mexique pour venir demander asile politique et bien États-Unis déjà menacé pour couper visa organisateur yo. Et puis, les gens qui participent dans le voyage, et tout, même tous les arrivés sur la frontière, très probablement aux États-Unis, déjà pour mettre, ils ont retourné côté social, soit retourné côté social, mais déporté dans le pays d'origine. Yo. Donc, ça veut dire que pour en précaution, ils ont lancé appel pour dire tout le monde qui voulait venir aux États-Unis, utilisez moyens légaux pour venir participer dans le programme que le gouvernement mettait sous pied, qui va permettre de rentrer aux États-Unis de façon légale, même si son temps limité, mais au moins utilisez moyens légaux. Là, ça, c'est appel que les États-Unis lancé pour permettre que tout le monde vienne. Et puis, il y a une communauté
et sous frontière et États-Unis Mexique là bon et migrants qui dans zone ça commencé encore dans des problèmes à cause de Freddy qui commence frapper zone là et sans les pas gain assez rad pour mettre sur pas gain protection donc gouvernement dans zone là que j'ai dans zone Texas en Californie et ben eux-mêmes ils ont lancé appel pour un qui mesure capable porter secours bas immigrants là et puis je dis à tout c'est va et mémorial pour ancien premier dame États-Unis et Rosalynn Carter qui mouri et 16 et c'était 16 c'est ça et c'est 16 si pas bien sûr que date là c'est ça et oui et qui mouri et il était un cadre de 16 ans. Et puis, Rosalynn Carter a passé 77 ans de mariage avec Maril, et ancien président Jimmy Carter qui dit même tout, il est dans l'hospice du côté de la poussée à soins, mais il dit que je dis à l'état de participer dans le mémorial là, il a fait pour l'ancien premier dame, et qu'il a fait dans Atlanta. Mais demain, c'est un funérailles, c'est un funérail côté privé, côté c'est des invités spéciales qui ont plané. Pour aujourd'hui, il y a bien. Et tout ancien premier dame vivant yo il y a présent dans le mémorial ça n'a pas n'a cadre de l'en Atlanta n'a pas eu de Hillary Clinton Melania Trump gen, et madame Bush gagné tout et Michelle Obama et puis gagné Jill Biden madame président actuel là et puis gagné président Joe Biden cap là gagné vice président américain tout et Kamala Harris qui a lancé avec Maril donc premier homme deuxième homme non il y a présent dans ces ça puis c'est va demain on va faire un funérail là et puis après tout à enterrer la Kylie dans côté dans pleine dans l'état Georgie donc c'est comme ça que activité ça nous sur place. Eh bien, nous, Jati Tounen, nous, c'était le bon retour. Sandra Tavakas, Tounen, dit le bon retour. Serge Michel Tavakas, Tounen, nous, dit le bon retour. Et puis, il semble que Fred a pas avec nous jeudi à tout. Donc, toute équipe là sur place. Et puis, jeudi, à moi, m'a parlé un petit peu de situation et Israël à Masla, qui est entré dans la cinquième journée. Et si c'est le feu là. Pour 4 premiers jours, le premier accord que tu as gagné, toute partie remplit les conditions que tu as gagnées. Tu as fait tout ça que tu as gagné, par exemple, en termes d'échange otage avec prisonniers, Hamas libéré 50 prisonniers qu'il te promet là, et tout comme Israël libéré lui-même 150 prisonniers palestiniens qu'il te promet là tout. Donc c'est 3 pour une. Et Israël actuellement lui dit qu'il parie pour lui libérer. Et pour prolonger et trêve là, un jour, chaque fois que Hamas libère 10 otages, la prolonger trêve là de 11 jours, et en retour, la libérer 30 prisonniers palestiniens. Donc, on va changer jusqu'à présent. Voilà. Et puis, ce que les États américains et Antoine Blinken qui trouvent actuellement dans Bruxelles, eh bien, non, contre la fin de ce soir, pour aller tout en Israël, tout. Tout le monde a pour essayer de faire une entente entre Israël avec Hamas, mais Israël, pour engagement, lui dit, quel va ça passer avec lui-même, après qu'elle a fini, eh bien, elle a continué à chercher démantibiler Hamas, et puis pour Hamas, pas. Suspendre pour Hamas, sans un lab de antivirus, pour Hamas, pas capable de continuer à diriger le territoire Gaza, que l'il y a 16 ans depuis l'ab dirigé. Donc, Israël dit lui-même, pour lui, Hamas, monnaie, Hamas, c'est FIFI, NINI, il va le démantibuler, l'apprendre, impossible pour lui fonctionner encore. Et même si après question otage a fini, mais lui-même n'est pas prêt sur ça, l'apprendre, impossible pour le pas chambre. Penser ou bien réfléchir à attaquer Israël, on le fait encore. Ma bisou, bonsoir, mes amis, il fait fret. C'est mon bon gros frère, il a dit même, bye, m'kake, moi, même. Bye bye tout le monde, n'a pas encore.